bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Désolée, j'enlève, j'ai chaud. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Nose et Max Plus du 22 juillet 2019 sur Limoges. Bon, je vais commencer par avant ce que j'ai eu de Nadia. Donc Nadia, vous savez que c'est un éclat de créa. Donc j'ai fait une petite commande, elle m'a fait une petite carte. Je voulais vous la faire voir là-dedans, parce que je sais que vous regardez beaucoup mes hauls et que... Voilà, et c'est une carte magnifique. Qui se présente comme ceci. Qui s'ouvre avec un petit mot et un petit tamponnage. Voilà, je vous la fais voir comme ceci. Voilà. Et du coup, je voulais commander avec Stampin' Up la Versamark... La Versamark, tampon encreur filigrane. Voilà, ça c'est pour embosser. La Water Versamark. Je crois que c'est celle-là qui embosse. Bref. Je regarderai. Donc je la remercie et dans son mot elle nous dit à très vite pour d'autres ateliers et à très vite pour d'autres ateliers. Et profite bien de tes vacances, ma belle. Voilà. Plein de bisous. Voilà. Donc maintenant, Action, Nose, Max Plus. Donc là, je vais faire Max Plus à 2,99€. 2,25€. Un tampon Forever Love de la marque Aladdin. Ça, c'est chez Max Plus. Je le trouvais très joli. Tampon en bois comme ça. Voilà. Ensuite, chez Max Plus, vous saviez que j'avais déjà craqué pour des dyes et là il y en avait encore. Et ils n'étaient pas en promo malheureusement. Mais j'ai craqué pour ce dye-ci. Avec le truc de bonbon. Même si je ne suis pas trop bonbon, je l'ai trouvé trop sympa la découpe. Et le tampon clear. Voilà, 3,99€. Et c'est compatible avec toutes les machines. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Le bocal, les petits bonbons. Je mettrais bien les... je trouverais bien un tampon alien que je mettrais dedans comme s'il avait le grappin. Il faudrait que je trouve un jour ce tampon là. Donc ça c'était 3,99€. Voilà pour ça. Et j'ai repris à 99 centimes ce fluo orange de la marque Easink. C'est Aladdin aussi je crois. Easink. Aladdin. Encre française. Et ça peut être embossé. Et j'ai repris celui-là aussi. Alors là, c'est vert. Nantes. Voilà. À 99 centimes. Donc ça, c'était chez. Je n'ai plus trouvé le nom. Max Plus. On va passer à Action. À Action, quelques nouveautés. Donc à Action, j'ai trouvé les nouvelles peintures aquarelles acryliques, parfait pour la calligraphie, les illustrations de lettrage au pinceau et plus encore. Appliquez un pinceau avec de l'eau pour activer la peinture. Voilà, site de la marque Art Sensation, Artist Quality. Trouver les couleurs très jolies. Je vous fais voir le code barre. Voilà. Donc ça c'était Action. Je sais pas où je vais ranger tout ça. Je ne sais pas. J'ai le ticket Action. Ah Action. J'ai trouvé les nouveaux blocs Black Paper. C'est du 150. Créé indélébile après utilisation. Oui, mais je pense qu'on peut s'en servir pour autre chose. Voilà, c'est des feuilles comme ça. Il y en a 20 feuilles dans le bloc, je crois, que j'ai lu. C'est que j'ai vu ça sur le... 20 feuilles, 150 grammes et 94 centimes. Voilà, c'est les nouveaux blocs. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai trouvé les pochoirs. Je pense que c'est ceux-là qui me manquaient. Donc le Love, j'ai retrouvé ces pochoirs-là. Les anciens. Pas les nouveaux, la clé tout ça. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo tuto bientôt avec ces pochoirs là,
je pense. Ils sont magnifiques. Donc oui, je vous les fais voir là parce que c'est plus... Je pense que vous les avez déjà vus partout en plus. Donc, voilà. Le code... voilà. Et j'ai trouvé celui-ci aussi. Alors lui, c'est sur avec le mandala qui est super beau. L'arbre. Bloom Your Beautiful. Avec la, le nénuphar. Trop beau quoi. Petite fleur, machin, je l'adorais. Donc voilà. A voir si je les avais, mais je pense pas. J'espère que c'est le nouveau tampon clear que je n'avais plus dans la collection. Il était à 79 centimes. Les pochoirs, je vous ai dit, non. Les pochoirs, 79 centimes, c'est ça que j'ai dit. Pochoirs, 79 centimes. Tampon clear, 79 centimes. Celui-ci avec les papillons, je l'avais pas, je crois. Je vais voir quand même, je vais vérifier après. Là. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'est une nouveauté, des petites perles. Et j'aime bien les grands tubes comme ça. Donc j'ai pris dans les tons vert, bleu et vert. Je pense que je vais faire un petit bracelet dans les tons comme ça, là. Avec ce petit verre là, comme ça, quand j'aurai le temps. Donc ça c'était 84 centimes. Ensuite à 1,29€ le circle cutter. Donc on fera peut-être un test ensemble. Coupe de cercle. J'y pense front back. Il fait jusqu'à 15 cm. Ah non, il continue après. À 30. Ok, donc il peut faire des grands. Donc à voir, il y a des vidéos sur YouTube de toute façon de... ou sur Facebook de ces petits trucs. Donc c'est Craft Sensation et ça c'était 1,29€. Donc voilà, à tester. Ensuite, pardon, excusez-moi, j'avais un truc qui me gênait dans l'oreille. Ensuite, à 99 centimes, donc on m'a dit qu'ils étaient pas mal et oui c'est vrai qu'ils sont cartonnés et tout. Donc j'ai pris ces blocs-ci, donc je vais vous faire voir. Avec Ariel, avec Cendrillon. Ah bah dis-donc. Oui, non, ils sont épais. Avec Réponse. Avec La Belle au Bois Dormant, Aurore. Blanche-Neige. Belle et la Bête, j'ai bien aimé. Aurore avec Petite Fée, Cendrillon et le Prince Charmant, Blanche-Neige, Ariel avec Papolochon, Blanche-Neige et la Pomme. Réponse et ce copain hein. Lumière et Belle. Voilà. Réponse. Aurore. Ariel et Polochon. Blanche-Neige avec les animaux. La petite sirène encore, Cariel. Ensuite c'est Aurore et Cendrillon. Ouais. Donc il y en a 20 je crois dedans. Est-ce que c'est marqué? Non, colorie ta carte postale licence. Donc je ne sais pas combien il y en a. Ils ne le disent pas. 20. Donc voilà. Vous savez que je suis fan de Disney. Voilà. Ensuite, ah mince, j'ai pas enlevé le truc, bien sûr. Chaque action, c'est presque fini, je crois. Ah bah non, il y a des boîtes. Il faut que je vous fasse voir. Voilà.
aujourd'hui je suis pas trop trop maquillée, mais c'est fait exprès. Je vous fais voir vite fait, il y a les lettres, j'aime bien cette page là, les mois, les petits chiffres en couleur, et surtout la guitare, le toucan, la banane et tout, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ça c'était 99 centimes, le Yes Ticket, enfin, je crois que je les ai tous. Ensuite chez Action, Tinkerbell, c'est des petits carnets, alors je ne sais pas comment ils sont faits, je peux encore ouvrir. Pour en ouvrir juste un pour voir. J'en ouvre juste un pour voir. Les autres pour l'instant je vais les laisser ranger. Des tout petits carnets, donc je pense que c'est les 4 mêmes après. Hein. Sauf que c'est la couverture qui change, voilà, c'est du papier blanc avec une petite fée clochette dessus. Voilà, des petits carnets. Voilà, Disney, Made in China. Et ça, c'était 98 centimes. Donc, il y a toutes celles-là avec les Ariel. N'importe quoi, pas les Ariel. La fée clochette. J'ai trop aimé, Tinkerbell. Voilà. Voilà. Et il y a toutes celles-ci. Alors, attendez, je vous donne le code aussi. J'ai oublié de donner le code dans les autres trucs, je crois. Voilà. Toutes celles-ci. Avec Cendrillon, Blanche-Neige, Belle, Aurore et Princesse. Il y a Mini et tout, mais pour l'instant, j'ai pas pris. Hein, faut être raisonnable. Action, c'est pas fini. Action pour le chat. Un tunnel comme ça. Rouge, rouge bleu. Voilà. Et ça, c'était 1,39€. C'était la fin de la promo, je crois. 1,39€ ou quelque chose. 1,35€, voilà, en promo. Voilà. Et ensuite, des boîtes comme ça à construire. Donc j'en ai pris une blanche. Ça c'est 1,95€. J'en ai pris une blanche, une noire. J'avais pris deux blanches, mais je ne veux pas vous faire voir deux blanches. Et une rose. Donc elles font 37 x 30 x 16 cm. Elles sont sympas. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à Nose. Donc, je fais pas de test maquillage parce que je sais pas encore si je vais tout ce que je vais faire, quoi. Donc, on va voir ça après. Donc, Nose. Je range un peu de son. Voilà. Nose à 1,20€ en loisir créatif. Voilà. 1,20€. C'est les petites abeilles, tout ça, fleurs, machin. Ça fait longtemps que j'hésitais à les prendre et puis là j'ai pris. Voilà. À 99 centimes. Non, je l'ai pas ouvert, je vous avoue. On a dit un truc. Ah oui, il y a un truc. Toujours des trucs pour les ouvrir. Toujours des trucs chiants. Voilà. Je vous l'ouvre pour vous faire voir. Donc ça c'était 99 centimes. C'est un stylo. Je crois que c'est un stylo. Je ne sais rien encore. J'ai pas complètement ouvert. Oh là là. Voilà. Juste pour vous faire voir. Ah oui, c'est un stylo. Trop classe. Voilà. Trop bien avec Anna. Trop mignonne. Trop mignonne. Je sais pas comment il écrit, mais Disney Tum Tum, voilà. De la collection Disney Tum Tum. Donc ça, on verra ça après. On va mettre comme ça quand même. À 50 centimes, j'ai trouvé ces sacs-là, je les avais pas. Voilà, j'ai craqué pour des sacs Disney Tum Tum. Voilà. Et celui-ci. Que j'avais pas non plus. Voilà. Disney Tum Tum, voilà. Et ça, c'était 50 centimes. Voilà. Oh, Disney Tum Tum.
Là-dedans, il y a quoi là-dedans? Il n'y a que ça. À 1,99€ d'abord. C'est de la dentelle comme ça. Rouge orangé. Et je pense qu'il y en a pas mal. Mais après, il n'y a pas marqué combien il y a de mètres. Donc, je ne peux pas vous dire. Made in China, Clémentine Création by Soprafa ou je sais pas quoi. Ça, je vais pas vous l'ouvrir. Mais en gros, c'est un stylo et un range. Il n'y a rien écrit. Et un truc pour un cahier, non? Un range pour cahier? Un range pour l'agenda? Je sais pas. Cette vidéo va être longue. Bon, en gros, c'est ça. Hein, je vous referai voir mieux la prochaine fois. Voilà, c'est avec Elsa. Ah oui, c'est un petit cahier en fait. C'est un protège-cahier, je pense. Voilà, il y a un truc. C'est comme un journal intime alors. Yarrow peluche. Voilà. C'était 1,99€ donc ça va. Et à 1,99€ aussi. Alors là, je vais l'ouvrir parce que ça m'intrigue. Une vraie enfant, mais j'adore ce que Disney. Et ça va pouvoir aller avec mon côté Disney quoi. Donc voilà, une boîte comme ça, 1,99€. J'enlève le truc. Ah merci. C'est accroché ça. Pourquoi ils accrochent des trucs partout? Voilà. C'est une boîte comme ça. Que je ne sais point ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un cadre Tsum Tsum. Trop bien. Pour mettre là, je pense. Là, on peut mettre une photo aussi. Ah, c'est trop beau. J'adore. J'adore les Tsum Tsum. Je fais les Tsum. Et là, c'est... Ah, pour faire... Mettre des photos. Cool. Un album photo, en fait. Tsum Tsum. Ah, trop cool. 99, ça m'a pas ruiné. Ah, trop bien. Et c'est une boîte aussi. Ça fait boîte, je pense. Voilà. Petit cadre. Ah, j'adore. Ah, je suis trop fan. En plus, il y a des Tsum-Tsum. Vive les Tsum-Tsum. Voilà. Donc voilà, ça c'était à 99. Chez nous encore. 1,20€. J'ai pris cette encre-ci de la marque Studio G. Donc ça c'est Hampton Art. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez nous? Ce CD que ma mère elle avait pris mais qu'elle l'avait en double. Donc elle me l'a donné en fait. Elle pensait qu'elle l'avait pas mais elle l'avait. Donc de Jen Hadid. Moi je me suis pris un CD de Norah Jones à 2,99€. Il date de 2016. J'aime bien Norah Jones. Donc voilà. Ensuite, beaucoup de maquillage. Alors, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. À 50 centimes, cette planche-ci qui a marqué Don't Just Fly Sour. J'adorais. Avec des plumes. J'adorais. Ensuite, là, je vais vous en faire voir qu'un parce que c'est tous les mêmes. C'est des petites étiquettes à 59 centimes, encore dans du Disney. Et c'est des petites étiquettes, non, c'est des petits, oui, des petits stickers. Voilà, Marie. Là, je vous fais voir comme ça. Voilà. Marie, Bambi, les 101 Dalmatiens, Dumbo, Bambi, Marie, Pampan, les Dumbo. Voilà. Donc c'est toutes les mêmes, mais je surkiffe. Ah, je suis trop contente. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est des manies. Je pense que c'est vraiment des étiquettes comme ça. Mais j'ai craqué. Je les ai vues. J'ai dit, ah, c'est trop mignon. Vous me connaissez maintenant. Ah, c'est trop mignon. Donc, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Parce qu'on a encore les feutres de la marque Zinc. C'est ça. Les feutres à alcool. Marine Green. Donc, on le voit là. Hein. Je vais pas le sortir. Pour l'instant, donc il y en a combien dans le paquet? Pas bonne question. 6 pièces, mais bon, je trouvais que ça valait le coup. 1,50€, donc il y a une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse. Donc voilà, alcool, marine green, ils sont très jolis.
Voilà. Ensuite, en Tsum Tsum, j'ai trouvé aussi les crayons. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé des rouges à lèvres. Alors, je vais pas vous les swatcher parce que voilà, je pourrais les swatcher. Et cette pochette-là, à 99 centimes, elle est trop belle. J'adore. Voilà. Donc, appareil photo à 79 centimes. Un petit tampon comme ça, appareil photo. J'espère que je l'avais pas. Au pire, si je l'avais, c'est pas très grave. Ensuite, à 25 centimes, j'ai trouvé celui-ci en pointe. Donc, c'est un rose. Je sais même pas si c'est marqué. Waterbase. T'as pas marqué la couleur. Bon, c'est un corail, je dirais. À peu près rose pâle, corail. Qui va rejoindre les copains. Ensuite, en rouge à lèvres, le retour de la marque Rimmel. Donc, ce rouge à lèvres là. Voilà. Et c'est la teinte 54 Rock'n'Roll Nude Rosetto. Et le packaging, on en parle, il est rose. Voilà, il est rose girly. Voilà, en rose girly, j'ai pris le 52 Idol Red. Voilà, rouge. Toujours de la marque Rimmel. Je sais pas. C'est le Kate, hein. C'est Kate. C'est signé Kate. Kate. Voilà. Donc ça, c'est 99 centimes pièce. 99 centimes de la marque Bourjois. Le 45. Rouge édition 12h. Bourjois, celui-ci. Voilà. Ah, mais moi, je fais mon stock de rouge à lèvres. De la marque 620 Call Me Crazy. C'est de la marque Rimmel. Et c'est celui-ci. Très joli aussi couleur. Voilà. Moi, je suis plus dans les rouges, si vous avez pu voir. Et le 46. Donc l'autre, c'était le 45. Là, c'est le 46. Il est plus foncé. Voilà. C'est un bordeaux foncé. Et c'est de la marque Bourjois. Voilà pour ça. Et on finit vite fait. Donc oui, cette vidéo durera 25 minutes. Je vais essayer de la couper en deux. Donc je vais peut-être vous faire... J'ai trouvé ce bijou-ci de la marque Endblade. Voilà. À 79 centimes. Ensuite, celui-ci, on le voit, hein, c'est le doré, voilà, comme ça. Et ça, c'était 79 centimes aussi. Je l'ai également pris en argenté, comme on peut voir dans le sachet, là, voilà. 79 centimes, j'ai trouvé cette petite bague-ci, alors je vais vous la sortir parce que là, on la voit vraiment pas. Voilà, une petite bague comme ça, la marque Headblade. 79 centimes, autant vous dire que les bijoux coûtent cher, je crois, à la base. Hein. Le Blade, c'est une bonne marque. Celui-ci, en rose gold. Voilà, c'est un grand. Voilà. Celui-ci en rose gold. Et celui-ci en doré. Voilà, bon, 79 centimes pièce. Et celui-ci pour terminer. Un autre. Et ça sera fini pour Nose. Et Action. Et Max Plus. Donc là, il s'est emmêlé, donc il faut que je le démêle. Mais en gros, c'est celui-ci. C'est un. Il fait deux, je pense. Bon, là, je vais le démêler d'ailleurs. Voilà! Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!